J'étais sûr qu'elle avait un aspiroculto pour récupérer les surplus. Hein? C'est un appareil semi-magique qui aspire l'occulto. Je vais récupérer ce qui sort des chauves-statues. Waouh, ça a l'air facile. Et pas tant que ça. L'occultisme est une sorte de magie noire. Si tu prends un seul coup en transportant l'aspiro, tu es mort. Waouh, ça a l'air dur. Oui, mais c'est stratégiquement extrêmement stimulant. Je pourrais peut-être utiliser les pièges mortels de ces cryptes contre tous ceux qui voudraient m'empêcher de transporter mon fameux ectoplasme. Non, ça ne marchera pas. Si tu veux avoir les gardes, serre-toi des chauves-têtes avant qu'ils réussissent à s'approcher de moi. Précisément. Et lorsque les quatre cylindres de l'aspiroculto seront pleins, nous aurons collecté assez de magie noire pour détruire le cérébrouilleur. Science! Promise! Elle se remet en place! Qu'est-ce que ça bidule? Est à court d'occulto. C'est pas grave, j'ai déjà rempli un quart de cylindre.
pas trop comment utiliser ton ordinateur, mais tu devrais avoir une nouvelle crypte dans ton binocom. Attention.
Notre cylindre de mon aspiroculto est plein. Je passe à la troisième crypte. Regarde le nouveau point de passage dans ton binocom. C'est ok pour cette pièce. Il ne me reste plus qu'une crypte à visiter. De t'envoyer un point de passage, mais il est tout au fond du puits. Bah, tu trouveras bien. Thank you.
Grâce à mon aspiroculto gonflé à bloc, je devrais pouvoir faire sortir les yeux de Clockwork du cérébrouilleur. J'ai vraiment hâte de voir ça.